Si t'applaudis, c'est qu'on va mourir. Par contre, comment il fait pour avoir autant de bordel dans sa voiture? Les touristes en vacances. C'est tellement ça. Allez. De rester juste dans le bus des heures à juste faire tous ces quartiers, quoi, c'est... Je filme même pas tellement, je suis prise par le truc, je suis désolée. Mais est-ce qu'on serait pas une vraie touriste? Mets la casquette. Casquette. Raconter une anecdote. J'ai pu les retrouver. Bonsoir. Bonsoir. On s'est fait courser par des gens dans la rue. Non, mais à cause de qui? Bonne idée de rigoler. Parce que la dame. Il y a un elle est tombée dans une flaque. Littéralement explosée dans une flaque. C'est super drôle. En fait, Anoushka s'est foutu de sa gueule. En fait, ils ont commencé à nous insulter. Ils ont dit un truc d'un fucking nigger. Et en fait, moi, j'ai répété ça en mode, mais ils ont vraiment dit ça et ils ont commencé à revenir. Et à un moment, ils se sont mis à courir. Donc, on s'est mis littéralement à courir. La ville était lumière parce qu'il pleut. Des cordes, il pleut tellement. Et je l'ai pas courir, mais je sais pas si vous avez vu. Le gars, il pleut avec son parapluie comme ça, mais c'était oh là là. Et elle a dit, nous cours après. Oui. Ah, t'as osé te retourner, moi, j'ai sauté. Mais, oui, mais moi, je me disais, non, c'est pas possible. Je me retourne, je les vois comme ça avec leur parapluie. Du coup, gros stress, on s'est mis à courir sous la pluie. On a, nous-mêmes, on est passé dans les flaques. Ouais. Mes baskets sont mortes. Bonne retrouvaille. Voilà. Super. C'est beau, ouais. Troisième réveil. Il est 7h du matin. Les autres, je sais pas comment ils font, ils dorment à point fermé alors qu'ils devraient avoir le décalage horaire et tout. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est, vu que la route, elle est toujours tout droit, il y a une heure de marche depuis ici, Santa Monica, centre-ville, pour aller au Santa Monica Pier. Ouh. Creepy. Petite aventure. Bref, vu qu'il y a une heure de marche, ben je vais aller en marchant et en courant. Comme ça, ça me fait mon petit sport du matin. Et puis avec un peu de chance, ils prennent le bus, rejoignent là-bas. Oh là là! Bonjour le lever du soleil californien. La mer, c'est où? Non, je plaisante. Je vais regarder sur Google Maps.
Je vais rejoindre les autres au Walk of Fame et à la partie vraiment très touristique. C'est trop cool de visiter. Là, je suis juste à côté de UCLA. Toujours n'importe quoi. Je suis sortie au mauvais arrêt complètement puisque j'étais obnubilée par le paysage. Mais c'est pas grave parce que ça n'a pas changé grand chose. J'ai chopé le bus ailleurs, le deuxième que je devais prendre. D'habitude, on m'offre le ticket. Donc je paye jamais mes bus, c'est une dinguerie. Je suis en train de découvrir vraiment genre le quartier. Là, on passe Westwood, des petites maisons. Je suis trop fan. C'est genre l'architecture. Ah, vous voyez pas ici, c'est Gamma, Beta, je sais pas quoi. Et comment les films universitaires, il y a toutes les sororités. C'est incroyable. Je trouve ça trop cool. J'avais pas vu ça la première fois que j'étais venue à LA. Donc ça, c'est une première découverte pour moi. Je suis trop contente. Comme une gosse le matin de Noël en fait. Moi, l'architecture, c'est quelque chose, hein. Vraiment. Il y a des maisons, on paraît vraiment dans les Sims. Il y a des mini manoirs, des mansions plutôt victoriennes. Après, t'as du rococo, t'as tous les styles, mais en fait, chaque quartier amène son lot de dinguerie, quoi. En fait, je sais même pas pourquoi on paye une blinde pour aller dans les bus touristiques qui nous font visiter. Alors, peut-être pour qu'ils nous donnent les noms des célébrités qui vivent dans les maisons, mais moi, je m'en fous. Bon, je vais retrouver les autres. Là, je suis vraiment dans mon enfer personnel. Là, c'est plus du tout ma cam, du tout contrairement à ce que je vous disais avant. Là, c'est un twist. Tu records pas, là, ça ? Si, ça record. On voit même pas bien. Alors, je suis sûre qu'il y a mieux. Ah, ça tue, qu'elle a dit. Ça tue. Vous voyez le petit truc là-bas là ? T'as dit quoi ? Je pense qu'on a raté le bus pour se retrouver à ce moment même ici. On a continué tout droit avec le bus, donc on doit remarcher en arrière et on tombe devant un truc et on peut aller tirer les tarots et tout. Et on a... Ils font de l'alchimie aussi, regarde. Et c'est ouvert. Est-ce que la vie voulait qu'on passe par là ou pas ? Hello. Les deux, on est dans la merde, en gros. 150, elle a vu à quel point on était dans la merde, elle a dit 100 $. Oui, mais on a un gros problème, les gars. Parce qu'elle me dit, vous allez avoir des enfants. Donc, c'est déjà bizarre qu'elle me parle des enfants. Attends, mais elle me dit un ou deux. Elle voit ma tête que je fais, genre... Elle me dit, vous en vouliez plus. Elle me dit, bon, it's up to your body, genre. Donc, en fait, t'es pas sûr. Et là, elle me dit, t'inquiète pas. Enfin, bref, elle commence à parler de l'amour. Alors que moi, je voulais même pas parler de l'amour de base. J'aurais voulu parler du professionnel. Moi aussi. Non, toi, tu voulais parler d'amour. Non, la vie de ma mère, la question là, j'ai fait une question de carrière. Elle m'a dit, who's that man? Je suis la grande. Parce que donc là, elle me dit, les enfants. Et là, elle me dit, vous allez vous marier. Elle me dit, à l'âge de 29 ans. Et là, elle a vu ma tête. Elle me fait, vous savez quel âge? Je fais 30 ans, ma biche. Donc, vous allez vous marier à 29 ans. Et puis là, elle m'a dit, ok. En tout cas, il s'est passé quelque chose à 29 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai qu'en vrai, après, elle m'a parlé d'autres trucs. Et j'ai réalisé que je sais de quoi elle parlait, qui s'est passé à 29 ans. Okay. Elle a parlé de mon ex, donc je pense qu'elle parle de, je ne veux pas dire son prénom, mais on va dire Y. Et j'ai dit, oui, mais on est plus ensemble depuis mes 27 ans. Elle me dit, c'est toute sa faute, où vous étiez prête et tout. Ça fait beaucoup d'erreurs. Voilà, donc les 250 dollars et les 100 dollars. Elle a dit 100 parce qu'elle a merdé avec toi. Ah oui. Welcome to the States. Oh là là.
Je suis trop de bonne humeur et comme disait Lélé ici présente, dans 3 heures je dors parce que moi à 5h30 on est au taqueto, à 10h on chante le mariachi mariacha et à partir de 15h30 on tire la gueule, on veut plus parler à personne, on a envie de dormir. Non, en vrai c'est trop cool là, la Universal Studio. Vous avez hâte? T'as dit pour le billet? Ah oui. Parce que évidemment les choses ne se passent jamais comme prévu. Bah non, sinon ce serait pas fun, la vida loca. Non, alors depuis hier ils veulent pas accepter ni mon PayPal ni ma carte de crédit. J'ai essayé pendant un moment, j'ai dit si c'est comme ça j'y vais pas. Très bien. Finalement j'essaye d'utiliser ma carte d'urgence qui n'est pas censée être utilisée. Ça passe. Vraiment ça passe, c'est cool. Je n'ai toujours pas reçu mon billet. Alors ils disent que ça peut prendre jusqu'à 12h, mais là on y est bientôt à 12h. Hein. 72h. Non, 12. Moi j'ai vu 72. Ah ouais, mais 72, c'est le calcul, ils sont pas bons, Kevin. Non, mais 72, mais nous, on l'a eu à l'instant. On a payé, on a reçu. C'est parti pour la fraude. Oh, j'ai le droit d'aller avec un verre d'eau. D'accord, je bois de l'alcool, attends. Hello, sir. We're gonna go to Universal Studio. How much is it? 175. I've got 50. Oh, my machine doesn't give change. Oh, wow, I've got only 50. Oh, thank you so much, sir. Adorable. After you. J'ai toujours pas payé de bus en 5 jours. C'est dingue ça, quand même. Restez avec nous, madame. Ok. Les gens sont trop gentils, c'est dingue. Ils sont adorables. Je culpabilise parce qu'au début, je le faisais pas exprès. Oui. Tu vois, j'étais vraiment avec mes billets et tout. Ouais, et maintenant que je sais que ça marche, quand ils sont gentils comme ça, je me dis, c'est pas cool. Parce qu'au début, c'était vraiment de la gentillesse. Oui, c'est toi qui gagne rien. Non, eux, ils s'en foutent. Il n'y a pas de contrôleur. Voilà, vous êtes prêts pour Universal Studio? Oui! J'ai trop hâte. Ok, dernier bus à prendre. Vous êtes prêts? 2-2-2, c'est un signe! Allons à Netflix! Non, c'est dans l'autre sens, Netflix. Ah merde, c'est là-bas. Non, pas du tout. Et l'autre, là-bas. Elle est où ton étoile? Non, pas toi, non. Oh non, it's time that you know. That you know. This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna last life. Ok. Elle passe là. C'est parti, allez, let's go. Ok, il nous regarde trop bizarre. Il est beaucoup trop chaud, Charlie. My co-host for the tour. Oh, yes, you do, my friend. Show, and that's my jam on NBC. Là, c'est la maison de Mike Delfino, je suis sûre. Là, c'est Mike Delfino, ça. On dirait trop. Ah oui, Guarantee my safety, I'm the one holding the gun. Yeah, but mine's a whole lot bigger than yours.
la taille des... du tondoc. Le fameux... croque à vous. Croque à vous. Mmh. Oh. Ça, c'est de la perle, Anouchka. Quand ça parle plus, c'est que c'est bon. Bon, les trois mousquetaires sont enfin au complet, hein, pour ceux qui ont compris la ref, parce que les trois mousquetaires sont donc quatre et pas trois, comme son nom l'indique. Mais ça, les gens ne le savent pas parce qu'ils ne lisent plus. Mais ça n'est pas le problème. En parlant de lecture... Ok, favorite place coming up. Da-da-da. Oui, mais je veux voir comment ah, c'est. Ah ouais. Je crois qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Hein. Ah ouais, j'ai ouvert. Eh bah bravo. Eh bien oui. Comme à la maison. Désolé. Ah bah voilà, les mauvais élèves. C'est génial. Tu me la sors et tout. Tu t'es touché ta tête. Mais c'est pas du bois, c'est du plastique. Les gaga. Sans blague. Non, on est prêts. Je filme ou je filme pas? Tu vas perdre ton iPhone, je pense. Non, je crois pas. Ouh, Titi. Mais c'est bardé. Ok, let's go! Sans les mains, Maurice, t'es prêt? Yes. Ah là, t'as la petite montée de la mort. Bah ouais. Oh, regarde! J'aime trop! Oh, la vue là, elle est trop incroyable. Elle dit quelque chose. Ah, c'est marrant, moi aussi je vois des parents. Décidément, Harry et moi, on a trop de points communs. Gryffindor doesn't stand a chance, Rowena. Honestly, all of you, we have guests. Bonjour, dites bonjour. Nico, on ne voit pas. Nico, retourner à Paris, frère. Il y a mon cam. Salut, mon cam. Salut. Vas-y, tu peux nous montrer ce que c'est une Parisienne bitch? La Parisienne, elle est... Le rayon de soleil, c'est le moment de se désaper. Let's go. On te met à Barbès, tu passes inaperçu. Oh, qu'est-ce qui s'appelle un fail? C'est quoi une maman? C'est une maman va se faire chier, mais Lucie est contente. Elle aura pas d'émotion. Sir, it has looping. What? It has looping. No. Ok, thank you very much. Maintenant, il a le premier degré. Bon bah c'est parti pour la chiantise. Don't worry.
C'est sympa cette promenade de santé. Là, toi, tu fais peur aussi, frère. This is cat. You. Hey, politely tell the salesman to come back later. Take a message and give it to your boss. C'est tellement mystique. See, grab a couple of friends and pretend you're the boss. If you answered C, you said the answer to the last question. Yes, B. T. À manger chez Harry Potter. Avez-vous déjà vu un maïs qui souffre d'anémie? Voilà. Il faudrait faire des petites perfusions de fer, moi je dis. Appelez-moi docteur en chaud. Ça fond tout seul. C'est spicy par contre. Trop piquant pour toi, mademoiselle. Non, juste trop de sauce. Ouais, il y a trop de sauce. Ouais, mais les whips, il faut que ce soit. Au pire, tu mets ton maïs dedans. Caramélisé, ok. Mmh. Non, mais on sait plus pour qui là. On a deux Etchebest ici. Ouais, de ouf. Michel Saran, Philippe Etchebest. Oui, ben top chef. Nicolas, t'es pas assez Princesse Margaret. Ah ouais. On dit au revoir aux gens. Bye bye. Là, tu l'étais. Là, tu l'étais. Oh là là, c'est. Universal. Ah oui. Non, et. Et c'est free gift. Ça te sonnerie. Eh, mais alors, c'est Fast and Furious ici. Ça, on n'a pas, pas de voiture, mais on a un carrosse royal quand même. Oui. Lolé, lolé, lolé. Isn't that great, he said. Mais qui es-tu, Paul-Henri? Pourquoi tu nous parles, Paul-Henri? Qui es-tu? Lolé, lolé, lolé. Lolé, lolé, lolé. On y va. Amateur. Vous voulez voir un truc trop beau? Et non, c'est pas ma tête. En même temps, je me suis levée à 5h40. Ah, c'est peut-être elle, non? Toujours pas. Are you ready to take the bus and to go to Malibu? On a loupé le bus, on avait genre 15 minutes, en plus il avait du retard et on a réussi à louper le bus pour Malibu parce qu'on était du mauvais côté de la route. Mais le pire c'est que la meuf, c'était une conductrice, hélas, ça aurait été un homme, ça aurait été différent. Elle nous a vu courir sur la route en faisant des grands gestes en mode « Ah là 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 !» Elle est passée devant nous, limite elle a dévié sa trajectoire pour nous passer à côté. On nous regarde, oui, oui voilà, quelle connasse. Non mais je te jure, et j'étais à côté de la porte, genre j'étais la porte, elle était là, elle a fait. Oh, il nous fait de la place! Ah, il nous appelle! Et en fait, on fait. Non, mais tellement chaud, il est en train de vider son coffre. Il range sa voiture pour pouvoir nous prendre. Chut! Allez là-bas, c'est trop. That's so crazy, you're going to Malibu as well. So, yeah, we're gonna go to this beach as well, like this we can discover. That's amazing! And then you go to work. You're gonna start by the beach and then go to work. Wow.
Ça me fait un petit peu bizarre d'être là parce que sur cette plage j'ai plein de souvenirs. C'était avec le fameux ex dont je vous ai parlé dans la vidéo. Je n'arrête pas les relations amoureuses, juste celle-ci. Donc ouais, il y a plein de souvenirs les chats là, c'est bizarre. Mais en vrai ça me fait trop plaisir, c'est trop beau. Et on a l'impression que c'est 16h de l'après-midi et c'est 9h quoi. 9h du matin. Allez, elle va aller se baigner elle. Elle est chaude là? Vas-y, rentre. Attends, c'est froid. Je m'enlève et tout. C'est froid. Non, mais faut que j'y aille. J'ai pris mon maillot, j'y vais. C'est le spot même où j'étais il y a 5 ans. Ici. Pas toute seule. C'est dingue de se dire combien ma vie a changé. Ma santé, bon ma santé hélas pas assez changé, mes animaux, enfin ça fait du bien d'être là pour faire le deuil de certaines choses, comme quoi il n'y a pas de hasard, et de retomber sur cette plage un peu par hasard, mais j'imagine pas tellement, ça a une telle symbolique, il y a des choses qui doivent rester ici et partir avec l'eau, et c'est trop beau. Ah, vous n'avez pas entendu grand chose, je vais la fermer. Pourquoi ma biche? Je suis trop heureuse. C'est vrai? Bah j'adore la mer.